Donc, Conjugaison de l'air, c'est un recueil de poésie qu'on a écrit ensemble en se répondant l'un l'autre. Donc, on se donnait des thèmes, puis on commençait à écrire. Une personne écrivait sur un thème, puis l'autre personne répondait. C'est ça. Ce qu'on a fait, en fait, c'est un recueil aussi qui n'a pas été écrit nécessairement avec le même objectif à la fin. C'est vraiment deux points de vue totalement différents, deux voix pour arriver à une voix qui est la voix du texte, là. Mais on a des réactions. Si tu veux réagir au texte de Tina, par exemple, à ce moment-là, ça m'amène à réfléchir à ce qu'elle a écrit, mais aussi à ce que moi je pense en fonction de ses pensées. On arrive avec un point de vue semblable dans certains cas, mais on a quand même des façons différentes de les dire, de les écrire. C'est ça qui devient intéressant. C'est vraiment à deux voix, chacun nos voix à nous et quatre mains.